La dernière fois que Tsonga m'a vraiment impressionné, c'était quand je l'ai vu contre Roger en quart de finale de Roland-Garros. Et il avait gagné en 3-7 ou 4-7. Il m'avait vraiment impressionné, il avait très bien joué ce jour-là. Bah, j'ai vu Amélie Mauresmo très heureuse. L'autre jour, quand Pouille a battu Coric puis Aronic, on voyait qu'elle était très fière de son joueur et elle était très heureuse d'avoir fait accomplir cela avec lui. On ressentait les mêmes émotions que Amélie Mauresmo ressentait. La dernière fois que Simona Halep m'a ému, c'était à Roland-Garros l'année dernière. C'était vraiment émouvant quand elle a gagné son premier titre de Grand Chelem. On voit aussi sa force mentale, parce que ça peut être dur d'enchaîner plusieurs finales de Grand Chelem perdues. Souvent, c'est la plus petite entre les deux joueuses. Et c'est une vraie combattante. Et ça peut être une source d'inspiration, parce que moi aussi, je suis pas très grand.